Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les créations que j'ai faites avec la canne carotte dont j'avais fait le tuto dans une précédente vidéo. Donc voilà ce qui me reste de cette canne. Et pour la première création, j'ai fait ce petit cupcake. Et donc c'est au niveau de la cassette que j'ai utilisé le motif de la carotte. Du coup, je suis restée dans le thème pour le reste du cupcake avec une petite chantilly verte très claire et le fameux petit popotin du lapin qui plonge dans le cupcake. Comme j'ai bien aimé faire ce cupcake, j'en ai fait un autre. Donc toujours le même principe de la cassette avec le motif canne carotte. Et ensuite, sur la génoise, j'ai enfoncé deux petites carottes et j'y ai rajouté une petite noix de chantilly. J'en avais pas assez avec les cupcakes, j'en ai fait un dernier. Et donc celui-là, il a une petite chantilly dans les tons orange clair et des vermicelles. Donc ces petits trucs de chantilly, je les ai fait avec des moules que j'avais achetés chez AliExpress. Ensuite, j'ai fait un macaron. Avec à l'intérieur une crème dans un orange très clair. Le même qui m'avait permis de faire la chantilly du cupcake d'avant. Et puis si j'ai fait cette canne carotte, c'est que je voulais faire un motif pour le pyjama de Molang. Parce que Molang, il est comme nous, il est confiné et il aime bien traîner un petit peu dans la journée en pyjama avec son doudou carotte que j'ai texturé. Après ça, j'étais un petit peu en panne d'inspiration et du coup, j'ai fait deux petits carottes cakes dont je suis pas super contente. Ils sont pas super bien faits, mais bon, voilà, j'ai eu envie de les montrer. On s'attarde pas dessus. Voilà, on les remballe. Ensuite, l'inspiration est revenue. Je me suis fait un stylo carotte. Voilà, avec deux petites breloques, un petit Molang et un petit handmade. Alors le petit Molang, comme il est tout petit et qu'il y a plein de petites pièces, je l'ai résiné pour qu'il ne soit pas trop fragile. Mais du coup, j'ai laissé un petit peu trop longtemps au soleil et je l'ai retrouvé un petit peu jauni. Alors c'est pas un fake, hein, c'est un vrai stylo qui fonctionne, qui écrit. J'ai utilisé en fait des cartouches de pilote, les fameux stylos qui s'effacent. Mais par contre, il n'a pas de bouchon. Donc lui aussi, je l'ai résiné. Il a un petit peu aussi jauni au soleil. En fait, j'ai pas vraiment de machine UV, qui fonctionne pas très bien. Donc, quand il fait beau, je mets ça au soleil, mais ça a tendance à jaunir un petit peu. C'est un stylo qui sera à usage unique. Je pourrais pas enlever la cartouche à l'intérieur et en remettre une autre parce que je l'ai collé avec de la colle forte. Donc voici toutes mes créations réalisées avec cette canne. Cette vidéo s'achève. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je vais refaire quelque chose un peu similaire, mais avec une canne citron, parce que j'adore le jaune. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodolly.